God is still waiting on people. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous attend. God is calling you. He's waiting on you. Le Seigneur vous attend. He's waiting for you right Dieu now. Dieu vous a conduit ici pour cela. The Lord brought you here for au this matter. Yeshua. In the name of Jesus. Tu veux le baptême aussi? Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Qui t'a invité ici? Jennifer. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'aime. The Lord loves you. Oh, Dieu t'aime beaucoup. God loves you. C'est ce qu'il me dit de te dire. That's what he tells me to tell you. Le Seigneur va répondre à beaucoup de questions que tu te poses. The Lord will answer many questions that you il were answering, that you were questioning yourself. Il va soigner ton cœur. He will heal your heart. Il va faire de toi le père de beaucoup d'enfants. He will make a father for many kids out of you. Be strengthened. De maintenant, from here on out, change ta vie. The Lord changes your story in the name of Jesus Christ. Oh, magnifique Seigneur, aide-la. Il y a quelque chose qui sort. Oh, c'est magnifique ce que Dieu fait. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, c'est un démon qui sort. Voyez, le jour de son baptême, Dieu la délivre. C'est beau ça, c'est magnifique ça. The very day of her baptism, the Lord delivers her. Tu veux ton baptême aussi? Wow! Alors, mon frère est champion de quoi? Champion de France, c'est ça? On va lui passer le micro, là. En culti, je sais pas quoi, là... Mais je crois que le Seigneur va l'amener à faire autre chose encore là. Merci et bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que je sors de loin, de très loin. Et en 2014, j'ai été frappé du diabète. Et Dieu m'a restauré. J'ai eu aussi pas mal de difficultés. Mais bon, on était dans une paroisse... pas du tout catholique, comme on dit. Et il se passait des choses vraiment pas bien. Et on avait eu un baptême là-bas. J'ai été baptisé là-bas en 2012. Et étant donné que Dieu nous a sortis de cette assemblée, vu ce qui se passait aujourd'hui, le pasteur, il est accusé de pas mal de choses. Et il y a beaucoup de filles qui se plaignent parce qu'il a essayé d'abuser d'elles. Et étant donné que c'est lui qui m'a baptisé, je me suis dit, bon, je pense que ce baptême est à refaire. Parce que bon, on ne sait pas comment les gens y marchent. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme n'est pas de Dieu. Il a toujours prétendu servir Dieu, mais dans ses actes, dans ce qu'il faisait. Et c'était vraiment démoniaque. Donc, vu qu'il nous a imposé les mains, ma future fiancée, elle est là avec les enfants. Bon, on n'est pas mariés, mais on a décidé de ne plus se coucher jusqu'à ce qu'on se marie amen, cette année. Amen, amen, amen. Elle est où? Elle est juste là. Gloire elle à juste Dieu. À côté. Bah viens, viens, viens à côté. C'est beau ça. Et franchement, merci beaucoup. Bon, je voulais me présenter. En fait, moi, je suis culturiste, je fais du bodybuilding. Je représente la France au niveau international. Donc, je fais partie des 10 meilleurs mondiaux du bodybuilding au monde. Donc mon nom c'est Lionel Beyeke, pour tous ceux qui voudront savoir ce que je fais, ils pourront juste taper mon nom et prénom et ils retrouveront. Je rends gloire à Dieu parce que je sais que Dieu agit dans ma vie et il est grand dans toutes ses œuvres. Et je bénis le frère Chora parce que
J'ai eu un songe il n'y a pas longtemps, parce que dans des moments de difficulté, de doute, on s'est dit, bon, est-ce que c'est vrai, il est vraiment de Dieu, parce que c'est bizarre tout ça. Et j'avais mal au genou. Je commençais la préparation et le frère Chora est arrivé en songe et il m'a touché le genou avec un mouchoir mouillé. Et il m'a dit, c'est bon, ça ira. Et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Oh, Dieu fait des choses terribles. Hein. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et par contre, j'avais une question que je voulais poser au frère Chora parce que j'étais vraiment troublé. Mm-hmm. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai été délivré du diabète et quand je suis revenu de la compétition récemment, mm-hmm. J'ai encore eu un souci avec ma glycémie. Mm-hmm. Et je voulais savoir si est-ce que c'est possible que Dieu te délivre et qu'il permette encore que tu aies des difficultés. Est-ce que tu as eu des rapports sexuels après la prière? Après la prière, non. Avant que je n'aille en compétition, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai eu la chance de... Parce que Dieu m'avait mis ça à cœur, je vais vous expliquer en toute vérité. Dieu m'a mis ça à cœur plusieurs fois. Et parce que des fois, on lit la Bible, mais on est vraiment... on dirait qu'on est absorbé par autre chose. On pense qu'on est dans le bon, mais on n'est pas dans le bon du tout. Et au moment où Dieu me parle de la fornication dans sa parole, je réalise que en fait je suis dans la fornication. Mm-hmm. Parce qu'on a tendance à ça. On a tendance à penser que le péché ce n'est que sur les autres. Parce que comme nous on prie, soi-disant, on est avec Dieu, on est délivré et tout ça. Mais non. Donc marchons dans la sanctification, marchons dans la vérité. Mais ne cherchons pas à attribuer le mal aux autres sans avoir examiné notre cas personnel. Donc moi c'était le cas, quand Dieu m'a parlé de ça, j'ai tout de suite été réceptif, mais il n'avait pas parlé de ça à ma fiancée, et donc du coup dans la situation j'étais vraiment embarrassé, parce que moi je lui ai imposé la sanctification, et pourtant elle n'était pas prête. Donc j'avoue je suis tombé, voilà je suis un être humain, et Dieu m'a reparlé de ça de nouveau, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui m'appelles, mets lui aussi à cœur la sanctification, afin que tous les deux nous soyons dans la même direction. Et le même jour, quand j'ai prié à 6h du matin, le frère, madame a appelé le frère Laurent parce qu'elle lui parlait d'une sœur, d'une cousine à elle qui avait des difficultés. Et Laurent lui dit, mais toi-même, est-ce que ça va? Elle lui dit, mais comment ça, ça va? Mais est-ce que toi-même tu vis bien parce que tu parles de quelqu'un du mariage, et pourtant toi-même tu ne marches pas bien? Et donc, en parlant de sa cousine, elle s'est rendue compte qu'elle-même, elle n'est pas dans la vérité. Et donc, c'est comme ça que le frère Laurent lui a mis à cœur de marcher dans la sanctification. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Voilà, tu réponds à ma prière. Donc, depuis ce temps, je ne la touche pas. Et je reste propre dans ma voie et je glorifie Dieu. Et je veux marcher avec le Seigneur toute ma vie. Donc, c'est cette porte-là qui a été ouverte. Je vous verrai toutes les deux, pour t'expliquer un peu ce que Dieu me met à cœur et sur ce qu'il attend de toi, d'elle aussi, de vous deux. Et donc à la fin, venez me voir. Hein, on va prendre un rendez-vous. Gloire à Dieu. Qui est vraiment encouragé par tout ça là. Champion de champion, mais maintenant il va être champion de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Waouh, tout ça de baptême, mais c'est magnifique. All those baptisms, it's wonderful. C'est magnifique. Toi aussi, mon frère. Waouh, c'est beau ça. Toi aussi. Ah, c'est magnifique. Toi aussi. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Quelle belle présence de Dieu ici, là. Oh, il y a quelque chose qui remonte, là. Regarde-moi ça. On l'a attaché à un cadenas, là. Un gros cadenas. She was attached to a padlock. Au nom de Jésus. Quitte-la, quitte-la, quitte-la. Come out of her in the name of Jesus. Come out. Magnifique. Oh, Jesus. L'ennemi voulait récupérer ce jeune homme. The enemy wanted to... Pour lui faire faire n'importe quoi. Get... Mais to catch this man, c'est un futur évangéliste. To get him to do any good stuff, oh. But he's a future evangelist. Jesus. Oh, Jesus. Oh, c'est magnifique. Il y a quelque chose là. Jesus. Il est là. Il y a quelque chose qui sort. Il est là. Sors au nom de Jésus. Là aussi, là. Il y a un lien là que Dieu brise. Là. Quelque chose là que Dieu brise. C'est bon. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Cette femme, quand elle est venue, j'étais en haut, le Seigneur me dit, il faut la faire monter. Et c'était en fait pour qu'elle ait son baptême. Là, c'est magnifique. Là, le Seigneur me parle. Hein.
Oh, c'est beau. Alléluia, Jesus. Ça va toi? Oh Seigneur, merci pour cette jeune femme. Oh, elle est là, il y a quelque chose là qui remonte là. Jesus. Oh, magnifique Seigneur. Le Seigneur sait. Il a commencé à travailler avec moi. Il va l'achever. Au nom de Yeshua. Oh, tu veux ton baptême aussi? Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. De voir des jeunes comme ça. Ah, ça nous encourage. Les enfants comme ça. Oh, Jésus. Aide-le. Une onction là. À partir d'aujourd'hui, il va commencer à prophétiser. Avoir beaucoup de révélations de la part du Seigneur. Et il va être fou de Jésus. Il va évangéliser partout. Jésus. Oh, aide-le. Il y a une belle onction. Regarde-moi ça là. Oh, mon Dieu. Regarde-moi cette onction sur lui. Oh, c'est magnifique. Acclame Dieu. Oh, c'est beau. Waouh. 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 Suivez mon frère, mes soins pour le baptême. Suivez-le. Oh, ben c'est réglé. Tu brilles. Gloire à Dieu. Suivez-le là-bas là. Gloire à Dieu. Vous aurez des bibles tout à l'heure. Amen. Gloire à Dieu. C'est beau, c'est magnifique. Bienvenue au royaume de Dieu.